بمناسبة افتتاح الدورة 16 لمهرجان فاس للثقافة الصوفية، نجدد إخلاصنا الكامل لمولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بأن أولى على هذا المهرجان رعايته السامية، وهذا ما يشجعنا من أجل إدكاء القيم الروحية والقيم الحضارية اللي هي تتكون الحقيقة والعمق للحضارة المغربية، وتقديم رؤية حول المغرب كبلد للتصوف كما قال صاحب الجلالة نصره الله، وكذلك المغرب يلتقي مع كل الثقافات والحضارات الموجودة في العالم، وهذا ما كان جليا في المشاركة المتنوعة والقيمة التي ميزت هذا الصباح في هذا الحفل الافتتاحي. هذا المهرجان هو ينطبق على حقيقة هذا المدينة ديال فاس اللي تتسمى عند الصوفية بالزاوية، وهذا عبر التاريخ، لأنها مبنية على هاد الثقافة ديال القيم الروحية. وهاد المدينة اللي معروفة بهذا البعد ديالها والإشاعة ديالها الثقافي والعلمي والروحي، بطبيعة الحال ما يمكنش نتصوروا أن واحد المكان اللي هو أنسب لأن يستقبل هذا التظاهرة اللي في الحقيقة تزيد تبين هالإشعاع وتزيد تجعل أن الناس اللي يأتون من الخارج يكتشفون هذا الحقيقة الثقافية والروحية الكامنة داخل مدينة فاس، على اعتبار بطبيعة الحال أنه منذ القدم وعبر التاريخ مدينة فاس كانت دائما تستقبل ثقافات وأديان مختلفة، مدينة للتسامح وللحوار ولتلاقح الحضارات، وهكذا كان تاريخ هذه المدينة إلى يومنا هذا. وهذا المهرجان يكون الآن واحد الجانب من هذا التراث اللامادي لمدينة فاس. وكما قلنا الشكر الأول والأخير يرجع إلى مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، اللي بالرؤية ديالو وبالدعم ديالو وبالثقة ديالو تيجعلنا أنه نعمل داخل المهرجان على أن نزكي تلك الرؤية الثقافية والفلسفية داخل هذا العمل، وأن يصبح هذا المهرجان واحد المحفل إبداعي وثقافي في كل سنة. وشكرا. Collaboratrice et une partenaire du festival de longue date. Cette année, elle est avec nous en tant que conférencière. Et nous avons Madame Sou, Salama Soussou, professeure universitaire, poétesse. Moi, je dis qu'elle est l'âme de mon peuple et pas féminin. Pour moi, j'ai toujours. Merci chers amis, donc je vais donner la parole à Milan pour dire quelques mots, parce que le programme on l'avait entre les mains, pour dire un peu quelques mots sur le programme. Et puis si certains d'entre vous souhaitent dire nous des choses, ben voilà, deux ou trois interventions possibles, ils sont les bienvenus. Voilà, donc et puis on se retrouvera dans la même salle tout à l'heure à 16h. Ensuite, ça sera suivi d'un hommage à un ami très cher, une personnalité marocaine à 17h30. Voilà, on va faire un petit hommage amical, un peu en marche du festival. Et puis ce soir, nous retrouverons, je l'espère, à Bab el Makina, dans un temps clément, à 20h, parce que c'est la première fois que je vois ça, les sites météorologiques, des choses totalement différentes. Alors là, c'est incroyable. On voit de la basse pluie formidable pendant toute la journée, pendant tout le soir. Donc avec ça, on est mal avancé pour pouvoir faire des prévisions. Donc chers amis, je ne sais pas si quelqu'un
voudrais des réflexions. Et je crois que madame devant le micro, oui. Bonjour. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Merci pour cette sublime organisation, monsieur Fauzi. Je suis porteuse de mémoire et de ce fait, je recueille tous les témoignages à tout propos. Et cette semaine, j'en ai recueilli un que je trouve particulièrement adapté au thème de cet après-midi. Alors, c'est un habitant de l'ancienne Médina qui avait pour voisin, donc il y a un habitant marocain, musulman, qui avait pour voisin une famille juive. Et il m'a expliqué qu'il y a une période de jeûne sans sel pour cette famille juive, que cette famille est respectée. Et pendant cette période, cette famille partageait des plats que cette famille musulmane dégustait. Et il y avait pour consigne de rendre les plats, surtout sans les avoir nettoyés. Et le plus chouette, je trouve, c'est que lorsque cette période arrivait à terme, la famille marocaine proposait un grand plat d'offrande pour féliciter la famille juive. Donc il y avait un grand poisson qui est chabé, un poisson spécifique des rivières marocaines, malheureusement qui n'existe plus maintenant. Et il y avait des fleurs, des épis de blé, des fruits secs. Et le plus beau était que la mère marocaine musulmane mélangeait de la levure avec du sel et plaçait cela dans un bol. Et ce plat d'offrande, donc, qui était dédié à cette famille voisine juive, accueillait ce plat et la mère juive prenait ce bol et le versait dans sa pâte à pain, et ce qui annonçait la fin de cette période sans sel. Et je trouve que le sel, le melh, a vraiment toute sa splendeur à tout propos. Et je trouvais que ça s'harmonisait avec la thématique en général du soufisme et de cet après-midi. Je vous remercie mille fois. Merci beaucoup. Partagez le pain et le sel. Merci. Merci beaucoup. Merci, madame. Encore une parole. Nous avons une chance extraordinaire de nous retrouver ici dans ce lieu sublime. Et je voudrais saluer Fauzi qui est capable de rassembler les hommes et les femmes de tous les horizons pour venir vivre ensemble la descente du ciel sur la terre, afin que la terre aille la descente. Il y a encore un peu à l'essentiel pour avoir le pouvoir africain. Salut tout le monde, et je voudrais rebondir sur ce que les intervenants ont dit. C'est vraiment reconnaître la chance qu'on a d'être dans cette rencontre. Et de ne pas oublier, c'est lui qui a permis ça. Je voudrais parler d'un mot auquel nous pensons tout le temps et que nous souhaitons aux autres, c'est la baraka. Nous sommes dans la baraka, le fait d'être ici. Et je voudrais qu'on pense beaucoup à ce mot. Ce n'est pas une religion qui nous donne la baraka. C'est peut-être en se connaissant soi-même qu'on reçoit une baraka. Voilà, très rapidement. Alhamdulillah. Voilà, bien écouté. Espérons que la baraka nous accompagne durant cette semaine. Et que si jamais il pleut, on considère que c'est la baraka. Et on accueillera avec douceur et joie. Voilà, chers amis, merci de nous avoir fait l'amitié encore une fois de ce partage, de ce moment. Voilà, convivial, amical. Et je vous dis à très bientôt. Merci.